Hey, bonjour à tous. Vous savez quoi? Moi, je fais partie des gens qui trouvent que le monde est assez triste. Et on est dans un monde quand même où tout le monde pense qu'à sa gueule. Et un monde plein d'égoïsme. Et franchement, je peux le dire parce que moi, visiblement, j'en fais partie. Donc, je trouve quand même que parfois, il y a des raisons de se réjouir. Il y a des trucs qui font chaud au cœur. Et comme d'habitude, c'est du showbiz que vient l'exemple. Parce qu'il y a encore 123 personnalités, des chanteurs, des hommes politiques, des actrices, des acteurs, etc. Hein, des gens qui bossent quand même beaucoup moins que nous et qui gagnent beaucoup plus d'argent, mais bon, ça joue peut-être un petit peu aussi hein, pour avoir des valeurs humanistes. Ces gens-là ont signé un nouveau manifeste en faveur de l'accueil des migrants. Et moi, je trouve ça vraiment beau. Et comme je sais que c'est des gens qui sont sincères et qui ont un grand cœur, je me dis c'est quand même con parce que ils sont sincères, ils sont altruistes, ils ont des valeurs humanistes, ils pensent aux autres, ils veulent qu'on accueille des migrants, mais à chaque fois c'est ballot, ils oublient de mettre leur adresse, ces gens-là. Ils oublient de mettre leur adresse parce que je suis sûr et certain que dans leurs luxueux appartements, dans leurs hôtels particuliers, dans leurs maisons, dans leurs pied-à-terre ici, dans leurs maisons de campagne ou de vacances à tel endroit, ils ont plein de pièces dans lesquelles ils seraient ravis d'accueillir des migrants parce que sinon ils ouvriraient pas grand leur gueule. Donc, moi je dis, hop, les migrants, on essaye de se procurer l'adresse d'Anne Sinclair, l'adresse de Cohn-Bendit, l'adresse de je sais pas qui, Isabelle Adjani, machin, enfin je sais pas si elle a signé, mais c'est une meuf comme ça. Toutes ces belles personnes, elles vont vous accueillir à bras ouverts, elles sont pétées de thunes, elles vont pouvoir en plus vous nourrir, il y en a qui ont des piscines, ça va être la vie de château, et vous vous direz, ben, on a bien fait de venir, parce que quand même en Occident, il y a des gens bien, c'est le show business, parce que c'est des gens qui mettent au bout de leurs convictions des actes tangibles, c'est pas juste des grandes gueules qui l'ouvrent comme ça pour faire la morale. Il y a Christiane Taubira qui a encore ouvert grand son bec. Je suis sûr que Christiane Taubira, elle va ouvrir plusieurs des chambres de ça ou de ses propriétés en Guyane et elle va accueillir des migrants haïtiens, des migrants colombiens, vénézuéliens, etc. Tous ces gens qui demandent qu'une chose, c'est d'arriver en Guyane. Je suis sûr que vous allez le faire. Je suis sûr que vous êtes des gens bien. C'est pour ça que vous ouvrez tellement vos grandes gueules et moi je suis fier de vous. Ah, j'aimerais tellement avoir aussi bon cœur que vous, bande d'hypocrites.